Good morgen, allez, Iden, les six aujourd'hui, Léolo, Inishmat, François, Vajiben, Hana, Claude, Shlomo, Ben Shalom, Janine, Ruth, Batfort, Mazal Fritna, et Shaya, Ben Linda. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions dans le Sefer Brachot. Perek He, Mishnah Bet, Mazkirin, Gevurot, Geshamim, Bitriat, Ametim, Beshoalina, Geshamim, Bebirkat, Hashanim, Beavdala, Bechonan, Adat, Rabbi Akiva, Omer, Omra, Bracha, Revi'it, Bifne, Atzma, Rabbi Eliezer Omer, Bahoda'a. On s'intéresse dans notre Mishnah aux ajouts que l'on fait dans la Amidah, à savoir mentionner la pluie, doublement, et la Havdala pour le Motsé Shabbat, ou exactement l'ajouter. Première partie donc, mentionner la pluie, ça implique deux choses. Vous avez déjà remarqué que quand c'est l'été ou quand c'est l'hiver, on change deux fois de bracha, une dans Triat Amitim, dans la première bracha, Atagibor l'olam Hashem, Echayim etimatar, Rav l'oshia, Morid Atal, ou bien Mashiv Aruach, Morid Agashem. Morid Atal, c'était pas obligé selon l'achat de le dire. Ce qui est important, c'est de dire Mashiv Aruach, Morid Agashem. C'était rajouté pour plusieurs raisons. Il y a certains Nusraot qui ne le disent pas, des vieux Nosar Ashkenaz qui ne rajoutaient pas le Morid Atal. Il y avait juste, en hiver, tu dis Mashiv Aruach, Morid Agashem, et en été, tu dis rien, et tu continues Echayim etimatar, Mechalkel, Chayim, Mechassed, Echayim etim, et sauter Morid Atal. Il y a, donc là, on n'est pas en train de demander la pluie. Quand on dit Mashiv Aruach Morid Agashem, on est en train de reconnaître la force d'Hachem. Reconnaître la force d'Hachem, ça s'appelle les Azkir Gvurot Geshamim. La force de la pluie. Hachem, il agit avec force sur plusieurs choses, des choses qui sont très impressionnantes. Une des choses très impressionnantes, c'est justement la pluie qui tombe chez Redet Bezaf, qui descend avec force. Alors, c'est pour ça qu'il s'appelle Gvurot Geshamim. Et lorsque tu vas parler des gvurot d'Hachem, du fait qu'Hachem domine le monde, dans la bracha de Triat Ametim, chaque bracha a son sens. Ouais, dans Magan Avraham, c'est l'introduction à la Tfila, on évoque le fait qu'Hachem a créé le monde et qu'il le dirige. Deuxième bracha, cette fois-ci, on va plus entrer dans les détails pour expliquer que c'est lui qui domine toutes les forces qu'il y a sur Terre, la santé, la Triat Ametim et les pluies en l'occurrence. Là, c'est le moment de mentionner qu'Hachem, il fait tomber la pluie, tu ne demandes pas la pluie, juste tu mentionnes. Et après, dans Birkat Hashanim, dans la bracha des Shanim, Mevarech Hashanim, c'est la bracha qui concerne la Parnassa. Où là-bas, on demande à Hachem qu'il nous donne la Parnassa. Où Teriach, Rita, Chaim, Vesala, Shalom, Kashanim, Atobat, Yibracha. Et qu'on ait la bracha dans cette année-là. La bracha sur la Parnassa. Là, c'est le moment aussi de demander la pluie, si c'est le moment. Tu rajoutes la phrase, Veten, Talomotar, Livracha. Les Sfaradim, bien sûr, on a l'usage de changer tout le texte du début en disant tout Baruch Alenu, mais et les Ashkenaz, ils changent juste le petit, ils rajoutent juste la phrase de Etan Talomatar, comme c'est mentionné dans notre Mishnah, d'accord? Ça c'est pour la première partie sur les Gshamim. Deuxième partie de la Mishnah, c'est sur la Havdala. Comprenez le problème. Motsé Shabbat, tu viens faire Arvit après à la sortie du Shabbat, alors maintenant tu as un problème. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit, en théorie, de prier pour des besoins personnels, vous savez. Shabbat, il ne faut pas être des tsahar, il ne faut pas éveiller de peine. Si tu commences à prier pour tes soucis, tes difficultés, de quoi que ce soit, chacun avec les siennes, si c'est la santé de l'arrière-grand-mère, ou si c'est quoi que ce soit, ça nous éveille. Si on prie pour ça, ça nous éveille de la peine, on peut pleurer. Il ne faut pas pleurer pendant Shabbat, il faut éviter. De ce fait, on ne demande pas nos besoins personnels pendant Shabbat. Mais à la sortie de Shabbat, c'est le moment de reprendre le train-train quotidien, et donc de prier sur les besoins du quotidien. Mais il y a un problème, tu étais dans la doucha du Shabbat, tant que tu n'as pas fait sortir Shabbat, tu ne peux pas prier pour tes besoins. Selon ce principe, il faut se débrouiller pour faire la Havdala pendant la Hamida. Tu finis à ta Kadosh et mon Kadosh, bon, ta Hashem, quel Kadosh, tu as fini. Maintenant, tu vas commencer à prier pour tes besoins. Avant, tu dois faire la Havdala en théorie. Alors, c'est sur deux avis. C'est le premier avis qui nous dit Havdala Bechonan Adat, tu commences à Tachonan et Adam Dat, ou Malamed et Moshmina, et là, tu commences à faire à Tachonan Tanan. Pourquoi ce moment-là, on va précisément. D'abord, un point important. C'est de préciser que tu commences l'Amida avec la Havdala. Atachonatanu, Hashem Lokenu. Ça, c'est la vie de Tanakam. Après, on va revenir dans les détails, mais d'abord, je veux faire Rabbi Akiva en parallèle aussi. Rabbi Akiva Omer, Omra, Bracha Revit, Bifne Atma. Selon Rabbi Akiva, il te dit non, tu dis une quatrième Bracha, une Bracha supplémentaire. À quel Akadosh? Et tu commences ici à ce moment-là, et tu commences en texte, Atachonatanu, Mada Eskel, ou je ne sais pas comment quel texte il disait Rabbi Akiva, et tu finis par Prata Hashem, Amadid, Ben Kodesh Lechol. Et après, tu continues à Tachonan Adam Dat. Les deux avis sont fondés sur le même principe. Que dès que tu finis à Takadosh, avant de commencer tes requêtes de Chol, d'abord tu commences à faire la Havdala.
Selon Rabbi Akiva, tu rajoutes donc forcément une bracha. Mais Chachamim, ils ont un problème. Le premier avis, donc, qui me dit, d'abord, je ne veux pas que tu rajoutes une bracha. Tu restes avec les brachot qu'on a instaurées. On a des raisons très profondes pourquoi ça donne 18 brachot plus une sur la minimum et la chinim, tu ne rajoutes pas des brachot supplémentaires. Un. Maintenant, dis un texte quelconque. Non. Étant donné que la Avdala, ça requiert de la connaissance, c'est pour ça qu'on dit que tu nous as été mavdilotanou, tu as différencié, donc ça implique d'avoir la bina pour différencier les choses. Il y a Am Israël, il y a les Goïm, il y a le Shabbat et le Chol, et ainsi de suite, il y a les jours de fête et le jour de Chol. Donc c'est comme ça qu'on mentionne la Avdala. Distingue. Ça demande du date, donc tu commences à avoir de Atachonen Adam date. Tu n'as pas encore fait de requête si tu fais attention. Atachonen Adam date, c'est toi Hachem qui donne le sechel aux hommes et qui leur donne la connaissance et la distinction, la force de distinction. Tu n'as encore rien demandé, tu n'as pas dit Atachonenu Metrachum Avinavadat. Pour le moment, tu n'as encore rien dit. Donc tu t'arrêtes là tout de suite, tu commences à Atachonen Tanu, tu finis, après tu continues ta bracha. Et maintenant, donne aussi Atachonenu Metrachum Avinavadat, ou Binade Adaskel. Ça, c'est les deux premiers avis. Et on a sur ça un dernier avis, c'est Rabbi Eliezer Omer Bahoda. Rabbi Eliezer te dit non. Tu dois juste reconnaître la birka de la bracha de Avdallah, c'est Bessar Hakol, c'est au total. C'est une birka tachvach, une birka où on remercie Hachem qui nous a différenciés et qui nous a donné des jours kadosh. De ce fait, le moment propice pour remercier, c'est le moment où tu arrives à l'Auda, lorsque tu dis Modim. Tu dis Machazir Shrinatol Tzion. Tu commences à dire Modim, et je ne sais pas à quel endroit précisément, selon le sidour de Rabbi Eliezer. Tu t'arrêtais un moment et tu commençais là-bas à dire la bracha que Modim Lecha, que tu nous as donné, que tu nous as distingué des autres peuples, tu as distingué le jour du Shabbat Kodesh, les jours de Chol, Israël Mina Amim, et voilà. D'accord? Donc c'est Rabbi Eliezer Omer, Bahoda'a, dans la bracha de la Hoda'a. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol, tout c'est là.